fils du député Pierre-Antoine Meyer a auteur avec Charles Gaspard de l'Estre-Poisson de la comédie en trois actes Le Fat en province ou le plan de comédie joué au théâtre de l'Odéon le 8 septembre 1812. Neveu de Barthélemy Meyer, il est le fondateur du Courrier de la province en juin 1854. Directeur du journal de Troyes. Il s'installe à Bourges où il prend la direction du journal du Cher. Il travaille ensuite au Rivarol à partir de mai 1855 mais meurt d'une crise cardiaque en février 1856. Il est surtout connu pour son manuel du savoir-vivre qui a été réédité à de nombreuses reprises.